C'est moi, le chouchou. C'est moi, M-O-A. Il y a les trimestres et les saisons, les parents qui ont toujours raison, et les synonymes, les homophones. Mais quand est-ce que la récré sonne? Il y a le COI, le COD, mes parents vont divorcer, et l'orthographe, ceux qui révisent sur mes joues dès que l'âme luise. Est-ce que t'es sûr que tu veux être une princesse? Y'a des métiers plus marrants, comme jardinière ou maîtresse, charcutière, pilote de l'air, vétérinaire ou pompière, mécanicien du justicière, magicienne, épicière, footballeuse, emballeuse, elfeuse ou boxeuse. Pas de blanc, pas de noir, pas de bleu, pas de gros, pas de maigre, pas de petit, pas de bigleux, pas de grand, pas de beau, pas de jeune, pas de vieux. On est tous des morveux, on est tous quoi? On est tous des morveux, on est tous quoi? On est tous quoi? Vous avez un petit bras? Un quoi? Un petit bras de voix, Jacqueline. Faut pas chanter qu'à vos patates, là. Faut chanter pour ces messieurs dames. Vous aussi. Vous savez où vous pourriez chanter, hein? Vous savez bien, j'ai pas le physique de ma voix. Pas la voix de mon physique, non plus. De toute façon, y a personne qui m'entend. Y a personne qui me voit. Non, c'est que tengo yo. Qu'est-ce qui me touche les pieds? C'est M. Jacques. C'est M. Jacques qui donne un coup de main. Mais non, mais ça va. Oui. Mais ça va pas marcher comme ça. Pourquoi? Tirez sur les bras. Oui, oui, bien sûr. No puedo soportar las ganas de J'ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu « Tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner, d'aller te peigner. » Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Mes premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient. Il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver.